Semaine qui s'achève a vu couler beaucoup de sang au Cameroun et ailleurs. Une femme assassine et dépece froidement sa belle-sœur. Et aux États-Unis, c'est une jeune Camerounaise qui fait parler la poudre pour se venger de ses collègues qui, selon elle, seraient responsables de ses malheurs professionnels. Et encore sur le plan local, deux gangs de présumés bandits ont été débusqués tant en Consamba qu'à Bafoussam. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. À la rétrospective de l'information, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. Pour cette édition, notre invité est un doyen, nous l'appelons affectueusement ainsi. 42 ans de métier, il est reconnu comme le plus grand spécialiste en enquête criminelle et en chronique judiciaire. Camille Nélé, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rétro. Bonjour Monique Naoussi, et merci pour cette invitation sur ce prestigieux plateau que je suis régulièrement avec beaucoup d'attention. Alors, les 40 dernières années, votre sur le plan professionnel, ont été marquées par la couverture des grandes enquêtes criminelles, des dossiers judiciaires. Camille Nélé, dites-nous, qu'est-ce qui vous a passionné dans ce créneau exactement? Il y a d'abord deux choses. La première chose, je parlerai d'atavisme parce que mon père était commissaire de police. Mm-hmm. Il a fait partie de la première génération des Camerounais entrés dans la police camerounaise avant l'indépendance. Il s'appelait comment? Il s'appelait Jean-Édouard Nélé. Mm-hmm. Il est très très connu. C'est d'ailleurs été le promotionnaire du célèbre Jean Fauchivet. Ils sont entrés ensemble à l'école de police en 1952-53. Ils ont continué alors à cheminer ensemble sous la direction des Français, parce que jusqu'en 1960, le commissaire de la PJ était un blanc, le commissaire central un blanc. Au moment où on était en train de préparer la relève, avec tant aussi bien au niveau de la police que de l'armée, il y a eu des officiers qui ont été formés, et dans la police, il y en a trois qui sont partis, parmi lesquels Jean Fouchivet. Bon, mais au moment où il partait, à l'école de police de Dakar, mon père, lui, était envoyé en France au consulat du Cameroun. En voir mon père tous les jours aller faire des enquêtes, tous les jours revenir à la maison avec son pistolet, tous les jours raconter comment on a arrêté tel ou tel ou tel malfaiteur, ça m'a donné la vocation. Mm-hmm. Bon, ensuite, dans mes lectures, j'ai lu beaucoup de romans policiers qui ont renforcé cette passion. Et toute cette expérience nous permettra d'éplucher les crimes qu'on a enregistrés cette semaine au Cameroun et ailleurs. Et on vous parlait à l'entame de cette femme qui a assassiné sa belle-sœur au moment de transporter le colis macabre. Elle a été découverte. Avec Delphine Foncoutenay, nous faisons le film de cette journée de mardi, un mardi sanglant. Le maintien résonne des quatre coins et attire des curieux à la quête d'informations relative à ce spectacle saisissant. C'est dans une réunion, le village de mon mari, quoi. Uh-huh. Donc, je dois de l'argent à près de 4 millions. Ce sont mes dettes. Donc, il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. Patrick, qui découpe tous les corps et range dans la valise? C'est moi, j'étais seul. Aveu de bourreau à l'autorité judiciaire, ces faits se déroulent pratiquement en 24 chronos. Dans cet hôtel du lieu-dit Biémassi Acacia Yaoundé. Début de la scène, dimanche 21 août dernier. Elles sont venues et c'est la victime qu'elle a fait enregistrer. C'est elle qui a gagné sa case, elle l'a fait enregistrer. Maintenant, ils ont commandé deux boissons, une petite Guinness et une 33. Ils sont assis ici. Elles ont bu. Maintenant, quand elle monte, elle a commencé à faire semblant comme si elle avait froid. Elle monte pour aller dans la chambre. C'est là où la victime lui demande que comme toi tu montes là, moi je fais comment, je rentre. Elle lui dit non, montons. Une fois dans cette chambre numéro 201, scellée pour besoin d'enquête,
Le pire se produit. Il a cassé, il a tapé la bouteille sur sa tête. Elle est tombée. Donc j'ai pris le début de la verre de la bouteille là. Parce que elle est égorgée. À la maison familiale, à un pas, cette présumée meurtrière essaie de brouiller les pistes. Donc elle allait dormir chez eux parce qu'ils habitent ensemble, ils cohabitent. Elle dormait chez eux et commençait à créer la polémique là-bas. On cherchait, ils appelaient Mbombo. À Yaoundé le lendemain matin, c'est-à-dire hier lundi, celle-ci se représente à l'hôtel, le corps sans vie de sa victime resté dans la chambre. Elle est venue reconduire la chambre le matin et dit qu'on ne fasse pas le ménage. Et elle est repartie. L'accusé d'homicide se fait apercevoir par le personnel de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, toute chargée. Vous libérez la chambre. Elle me dit non, je vais faire une course, je reviens. Elle dit que la valise est tellement lourde, je peux envoyer un garçon d'état vous aider à porter la valise. Elle me dit non, ça va. Elle dit que non, ça va. Mais la valise est lourde. Si on vous fait transporter la valise, elle dit non. Quand elle descend l'escalier, je dis à mon collègue avec qui j'étais, que suivez la dame là, je vais aller dire au patron qu'il y a une dame qui transporte une valise lourde. Et c'est suspect parce que l'eau suinte à l'intérieur de la valise. Même en présence du top management de cette structure hôtelière, la dame en question s'oppose à l'ouverture de sa valise. Elle nous fait comprendre que c'est sa nourriture, qu'elle allait vivre frais, qu'elle part à l'aéroport. Je demande si on vole à cette heure-ci. Et en même temps, la valise cherchait à s'ouvrir des deux côtés. Mais comme elle était solide, ça restait quand même, elle passait le temps à appuyer. Les forces de défense et de sécurité appelées en renfort. Quand le coupon me dit que okay, j'appelle donc, on vient te porter ta valise et on te met, on va aller ouvrir à la brigade. Elle dit que c'est sa belle-sœur qu'elle a découpée, elle a mis dans la valise. Les autorités descendues sur les lieux au cœur de cette nuit pour faire le constat. Elle avait nettoyé, mais il y avait l'eau par terre et tout et tout. Elle a couvert, comme il y a les miroirs au niveau des murs, elle a couvert le miroir du drap. Celle qui est reconnue ici comme ancienne riveraine du quartier est appelée à la reconstitution des faits. Elle a sectionné le cou, elle a sectionné le sexe. Elle a bien coupé les articulations, bien tapé, ramolli le corps pour qu'elle mette dans la valise. Une valise de la marchandise qui devait être livrée hier soir dans un cimetière de la place à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Apprend-on, le corps morcelé de Mbombo, comme on l'appelait affectueusement, est gardé et sa belle-sœur en exploitation à la compagnie de gendarmerie des Foulanes. Camille Nélé, la carcasse de cette Camerounaise qui a été sectionnée en plusieurs morceaux était, dit-on, destinée à un trafiquant d'ossements humains en échange des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est dire que le trafic d'ossements humains se porte encore très bien au Cameroun. Et qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier la montée de ces pratiques? Je vais d'abord commencer par le récit de cette dame qui est tout simplement hallucinant. Il est hallucinant, mais il y a un premier élément qui retient mon attention, c'est que le fait pour elle de faire des aveux devant la télévision, au moment où elle est pratiquement encore à proximité de la scène de crime, ne respecte pas les règles de l'art. Parce que selon les conditions d'une enquête criminelle, quand on arrive, la première des choses, c'est de sécuriser la scène de crime et maintenant d'amener des spécialistes pour venir chercher des indices dans la chambre. Et ces chambres étant fermées, on emmène donc la suspecte, on prend le corps et maintenant on va rechercher des éléments pour comprendre exactement ce qui s'est passé. L'interrogatoire ne se passe pas en public. Et moi je pense que cette façon qu'ont les gendarmes ou les policiers parfois de faire parler les présumés malfaiteurs à la télévision ou à la radio, ce n'est pas très orthodoxe. Ça ne se fait pas, et à la limite même, ça peut brouiller l'enquête par la suite. Oui. Mais quand on suit son récit, c'est un récit qui a tout simplement cousu le fil blanc. Et cousu le fil blanc, il est vrai qu'au-delà de l'horreur qu'elle décrit, elle dit « oui, je suis venu, je lui ai cassé une bouteille sur la tête, je l'ai tué, ensuite je suis parti dormir chez moi, et je suis revenu le lendemain, la découper, et maintenant la mettre dans une valise pour aller la livrer à quelqu'un dans un cimetière. » C'est une histoire qui est trop grosse pour être vraie. Parce qu'il faudrait que les enquêteurs cherchent d'abord à comprendre avec quoi elle a découpé,
comment elle a découpé, est-ce qu'elle était seule. Parce que découper une personne, je dis une personne, même si cette femme-là n'avait que 1m60, j'ai vu sa carte d'identité, ça fait quand même beaucoup de viande à découper et à mettre, dans un sac. On a vu une partie de membres de cette dame, on voyait même la montre était encore à son poignet. Mais la suite des enquêtes pourra établir, et avec même une reconstitution, comment elle a fait pour la tuer, comment elle a fait pour la découper. Est-ce qu'elle était seule? Et si elle était seule, ça veut dire qu'elle avait vraiment le cœur bien accroché. Et maintenant, comment elle a mis dans la valise? Parce qu'il faudrait savoir, elle n'a pas dit si la veille, au moment où elle est entrée dans la chambre, elle avait une valise, ou si elle est revenue le matin avec une valise. Donc, Ce sont des éléments que l'enquête nous dira. Ce sont les éléments que l'enquête établira. Parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne. Et maintenant, quand tu parles d'un rendez-vous avec quelqu'un dans un cimetière, qui était cette personne? Qui est cette personne avec qui elle avait rendez-vous? Et comment est-ce qu'elle peut dire que cette personne devait lui donner 50 milliards? 50 milliards, vous imaginez, si le corps humain coûtait aussi cher, je vous assure que... Personne ne vivrait. Ah oui, personne ne survivrait et il y aurait plein de milliardaires. Donc, c'est une histoire qui vient de commencer. La police judiciaire qui a certainement de bons éléments de la police scientifique et au niveau des investigations, comprendra comment ça s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé à tuer. Donc il faut qu'on détermine le mobile de ce crime. Et maintenant, il faut qu'on aille au-delà maintenant du mobile de ce crime. Parce que vous avez parlé là tout à l'heure d'ossement humain. Elle n'a pas parlé d'ossement humain. Elle a dit que quelqu'un l'attendait pour qu'elle lui livre le colis et pour qu'il lui donne de l'argent. C'est quelle personne? Et maintenant, il est vrai, on a souvent vu dans et même la semaine dernière, d'ailleurs, moi je pense que quand vous avez parlé des malfaiteurs arrêtés à Bafoussam, vous allez trouver, vous évoquerez certainement ces malfaiteurs qui ont été découverts porteurs de tout un squelette humain entier. Donc moi je pense qu'on pourra développer tout à l'heure avec cette affaire. Ça aurait pu servir à faire quoi si ce n'est pas un trafic d'ossements humains ou l'exploitation de la chair pour des... je ne sais pas. Non, c'est pour cela que moi je dis que le volet des ossements humains, c'est un volet, vous allez me poser la question là-dessus, parce que moi je vais vous donner des éléments très très importants par rapport relativement à cette activité dont on parle de plus en plus. Restons sur le fil, puisque vous évoquez la question des ossements humains dont vous maîtrisez. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos, justement? J'aimerais d'abord dire que c'est une histoire dormie debout qui a fait beaucoup de victimes dans ce pays. Qui a fait beaucoup de victimes parce que il faudrait bien que les autorités judiciaires et même médicales expliquent aux Camerounais qu'un os humain n'a pas plus de valeur qu'un os de poulet. Un os humain, c'est composé de cartilage, d'océine, de moelle épinière, de moelle, et c'est tout. C'est ce que la science dit. C'est ce que la science dit. Et la science occulte dirait autre chose. Oh, maintenant, quand vous parlez de la science occulte, nous tombons en plein surréalisme, ça devient notre histoire. Ça devient notre histoire. Mais seulement la personne qui veut prendre des ossements humains pour s'en servir pour un but magique, mais il faudrait que cette personne ait des moyens d'avoir cet argent pour en faire quoi? Elle va avoir 1 milliard, 2 milliards. Vous avez écouté le récit. Elle parle avec un sang-froid, on va dire un sang-froid déconcertant. Quel est le message qui transparaît, à votre avis, de son expression orale et même de sa posture devant les enquêteurs? Je pense, Monique, qu'il faut d'abord attendre la fin de l'enquête pour se faire une religion. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle avait une telle froideur. Il avait une telle sérénité qu'on peut se dire que celle-là, c'est une vraie criminelle. Ou bien elle était tellement convaincue. Qu'elle n'est pas son premier forfait? Peut-être pas. Mais disons, elle était tellement convaincue d'avoir de l'argent qu'elle s'était dit, je la tue, je la mets dans un sac, on me donne de l'argent, et banco, j'ai mon argent. Moi, je pense qu'il faut attendre le déroulement des enquêtes, parce que tant qu'on ne découvre pas la personne à qui elle devait remettre les restes de sa belle-sœur, on ne pourra pas se faire une opinion. Mais tu est-il que c'est une affaire qui est une affaire à dormir, c'est-à-dire une histoire à dormir debout, parce que on ne peut pas. C'est trop facile de dire que je l'ai tué parce que je devais aller donner ses restes à quelqu'un qui devait me donner 50 milliards. Elle a dit 50 milliards, elle n'a même pas dit 5 milliards, elle n'a pas dit 500 milliards, elle n'a pas dit 5 millions, 5 milliards. Attendez, c'est trop court. Ok. Alors, il y a une autre grande interrogation. Qu'est-ce qu'une femme fait-elle dans une chambre d'hôtel avec sa belle-sœur? Deux femmes.
partie des énigmes à déblayer dans l'affaire. La question est pertinente, Monique. La question est pertinente. Mais c'est parce que cette dame qui est venue avec sa belle-sœur, elle était venue avec le plan de la tuer. Claire. Qu'est-ce qu'elle aurait dit à sa belle-sœur pour la conduire dans une chambre d'hôtel ? Elle lui a dit, d'ailleurs, selon d'autres versions, elle lui a dit, j'ai quelqu'un qui doit me donner de l'argent, mais je ne veux pas aller seule, accompagne-moi. Et l'accompagner, elles sont parties, elles ont commandé à boire. Et elle lui a dit, non, monte dans la chambre, attends-moi. Donc, elle l'a convaincue en lui disant que j'ai quelqu'un qui doit me donner de l'argent. Donc, ce sont les premiers indices, les premiers éléments qu'il faudra recouper et qu'il faudra renforcer par la suite. Mais là, tout de suite, on voit que c'est une dame froide, une femme calculatrice qui était certaine d'obtenir de l'argent. Et c'est pour ça qu'elle a amené sa belle-sœur, elle lui a tendu un traquenard et elle l'a tuée. Mais moi, je dis que l'horreur le plus horrible dans cette histoire-là, c'est la manière par laquelle on a découpé une personne. Mais elle a découpé avec quoi? Avec un couteau, avec une machette. Elle a dit une machette. Donc, il faudrait justement que la police puisse... Comment a-t-elle fait entrer la machette à l'hôtel? Voilà. Etc. Alors, elle est entrée avec la machette dans le sac, mais à quel moment est-elle venue avec le sac? Elle n'est pas venue la veille avec un sac, parce qu'au moment où elles sont arrivées la veille à deux, elle ne tenait pas de sac. Or, elle est certainement repartie chez elle, chercher le sac et la machette, pour venir la découper le matin. C'est une histoire absolument hallucinante. Et moi, je pense, parce que et c'est là où j'interpelle les journalistes qui ont la fâcheuse habitude de ne pas suivre l'affaire jusqu'au bout. On a arrêté cette femme, elle va se retrouver en prison, elle va être jugée, et il n'y aura aucun journaliste qui poursuivre cette affaire-là jusqu'au bout. C'est tout comme tous ces jeunes hommes arrêtés depuis des années, avec des ossements humains, on les traduit au tribunal, il y a des procès, mais seulement ces jeunes hommes ne sont jamais condamnés pour trafic d'ossements humains, parce que le terme trafic d'ossements humains n'existe pas. Ils sont la plupart du temps condamnés pour profanation de sépulture. Et profanation de sépulture, ça va se chercher dans les 2 ans, 3 ans. Or, si les journalistes allaient suivre ces procès, ces procédures jusqu'au bout, ces journalistes ne parleraient plus de trafic d'ossements humains, il parlerait de profanation de sépulture, parce que c'est le terme juridique, c'est le terme judiciaire approprié, et c'est sur ce chef d'accusation que ces criminels sont souvent condamnés. On regarde votre expérience. Y a-t-il des indices psychologiques? Y a-t-il des indices qui puissent permettre aux personnes qui entourent un potentiel criminel de dire « Ah tiens, voici un criminel ». Est-ce qu'a priori, il y a des indices? Non, c'est difficile, Monique. C'est difficile. Il y a cette dame que vous avez vue parler là. Vous pensez que... qui pouvait imaginer qu'elle pouvait tuer une personne, la découper et la mettre dans un sac? Il n'y a pas ce qu'on appelle des gens qui portent le gène du crime. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont des têtes de criminels. Il y a des gens qui ont des têtes de bandits. Il y a des gens vraiment qui, quand on le voit, se disent « Non, celui-là, ça doit être un bandit ». Mais seulement, ce n'est pas parce qu'il a un air sinistre, un air lugubre, ou bien des traits carrés et tout ça. Juste des apparences qui sont, voilà. Qui sont trompeuses. Mais toujours est-il qu'il est difficile d'oser déterminer que telle personne, tout simplement, on peut l'identifier par son faciès et on peut estimer que ça, c'est un criminel en puissance ou bien c'est un malfaiteur en puissance. Camille Nélé, cette dame dit qu'elle a rencontré cet interlocuteur sinistre qui lui aurait commandé d'apporter un corps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un marabout, dit-on, lorsqu'elle lui a posé ses problèmes financiers. Eh bien, certaines personnes, tout de go, incriminent les moyens de communication de masse, Internet, la télévision. J'aimerais savoir quel est l'impact, justement, de ces réseaux sociaux sur les déviances, les comportements qu'on observe ça et là de plus en plus. Vous savez, nous sommes dans une époque de communication plurielle, communication multidimensionnelle. On rencontre, il y a des gens qui vont même chercher les femmes dans les réseaux sociaux qui les épousent. Il y en a qui cherchent des sites de rencontres ou des clubs de rencontres pour chercher ou trouver des âmes sœurs. Il y en a à qui on fait croire que si vous venez là, vous allez faire du business. Bon, donc c'est difficile de se retrouver dans ces réseaux sociaux qui vont dans tous les sens et dans lesquels des gens, il y a plein de gens qui se font plumer tous les jours comme des canards. Il y a toutes sortes d'escrocs qui sont dans les réseaux sociaux, qui se servent des réseaux sociaux, non seulement pour bluffer les gens, pour les plumer
pour les tromper et pour les racketter. Donc, cette dame, là aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'on n'en est qu'au début de l'enquête. Mm-hmm. Elle a parlé de quelqu'un. Il faudrait bien qu'on remonte, qu'on regarde un peu son compte Internet pour voir quelle est cette personne qu'elle décrit ou qu'elle définit comme un marabout qui lui a dit « apporte-moi un corps, je vais te donner de l'argent ». Et cet homme, est-il au Cameroun? Est-il au Nigeria? Est-il en Côte d'Ivoire? Il va bien falloir qu'on aille jusqu'au bout de ces aveux. De ces aveux qui vont permettre effectivement de savoir quel est ce mystérieux individu. Mais je suis sûr d'une chose, on ne le retrouvera pas. On ne le retrouvera pas parce que même si on réussit à peut-être à identifier son téléphone et tout cela, mais il sera difficile de retrouver cette personne parce que la finalité de ce crime, elle pulvérise tous les records de la démence et de la bêtise. Parce que cette dame à qui quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, lui dit « apporte-moi quelqu'un que tu as tué, je vais te donner de l'argent ». Comment a-t-elle pu être convaincue au point de tuer quelqu'un et d'aller et de tenter d'aller remettre la dépouille à quelqu'un? Il y a quelque chose quand même à dire, une sensibilisation à faire sur des choix faciles pour résoudre ces problèmes. Bien entendu, Monique. C'est pour ça que les télévisions, nos chaînes de télévision et même nos journaux doivent faire un travail d'éducation, un travail d'éclairage tous les jours pour faire comprendre aux gens que les solutions faciles qu'on leur propose parfois dans les réseaux sociaux ou dans les sites de rencontres ne sont pas toujours de bonnes solutions. Et c'est pour cela que, regardez, on a parlé l'autre jour de quelqu'un qui s'est fait rouler, à qui on a pris 5 millions de francs à partir d'un contact pris sur Internet. C'est commun, c'est courant. Donc moi je pense qu'il y a un travail que les médias, aussi bien la télévision que les journaux, la presse privée, doivent mettre en permanence pour éduquer les personnes. Parce que la presse n'est pas seulement faite pour informer, mais là pour éclairer et enfin pour ouvrir la tête aux gens. Tamine, allez, dites-nous, qu'est-ce qui peut nourrir avec autant de fureur la montée du crime dans un environnement comme le nôtre? Monique, le crime est aussi vieux que l'homme. Le crime se décline sous toutes ses formes. Vous savez, quand on regarde la télévision aujourd'hui, il y a une émission qu'on appelle Face au crime ou bien Faites entrer l'accusé. Vous rencontrez toutes sortes de situations invraisemblables qui se passent en France, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. Le crime dans tous les pays du monde, là où il y a des hommes, là où il y a des intérêts, là où il y a des passions, parce que ce n'est pas seulement des crimes crapuleux où on demande de l'argent, il y a des crimes passionnels, il y a des crimes de rancune, il y a des crimes de règlement de compte, il y a toutes sortes de crimes qui font que le crime est aussi vieux que l'homme, il est dans le cœur de l'homme et sa façon de s'exprimer fait que ce n'est pas, on ne peut pas dire que non, aujourd'hui il n'y a plus de criminels au Cameroun qu'au Nigeria, non, il est aussi vieux, mais seulement les crimes par exemple en zone urbaine sont beaucoup plus perceptibles parce que immédiatement on tombe sur des gens qui sur des services de sécurité qui interpellent les criminels ou bien qui découvrent ces crimes. Mais il y a des crimes dans les villages aussi. Comme vous avez pu voir ces derniers temps, moi j'ai vu à Canal 2, il y a deux semaines, quelqu'un qui a poignardé quelqu'un qui soupçonnait d'avoir des relations coupables avec son épouse. Il y a des crimes partout. On en trouve partout. Et dans toutes les villes. Et les médias, les performances des médias aujourd'hui aident à les mettre de plus en plus en lumière. Alors, Camille Nélé, d'un crime à un autre, nous nous rendons aux États-Unis. Cette jeune Camerounaise qui a été arrêtée à la suite d'une fusillade qui a ôté la vie à deux personnes et blessé grièvement un autre. Reportage Titi Freeman. Mise aux arrêts par la police d'Atlanta, Raissa Duissy-Queneux est la principale suspecte d'une fusillade survenue à l'aéroport Hartsfield-Jackson. L'Américaine d'origine camerounaise, interpellée ce 22 août, a, selon la police, ôté la vie à deux personnes et blessé une autre à l'aide d'une arme à feu. Cet après-midi, aux environs de 13h42, la brigade de sécurité de l'aéroport a alerté nos équipes à la suite des coups de feu. Ils sont également fait entendre quelques minutes plus tard, avec tous deux, la même description de l'auteur, celle d'une femme. Wesley Freeman, 41 ans, et Michael Schnischer, 60 ans, sont, selon les médias locaux, les victimes de ce drame. Les mêmes sources
indiquent qu'ils étaient des anciens collègues de la présumée coupable qui avaient intenté une action en justice contre eux en mai dernier. Au nom des citoyens d'Atlanta, je présente mes condoléances aux familles qui sont touchées de près ou de loin par cet incident. Je veux aussi m'assurer qu'entre-temps, tout Atlanta et tout le monde autour de l'aéroport sache que tout est désormais rentré dans l'ordre. La sécurité règne désormais. La police d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, poursuit ses enquêtes. Camille Nélé, la curiosité dans les deux cas, c'est qu'il s'agit des femmes. Habituellement, on parle des femmes comme des victimes expiatoires, des crimes. Cette fois-ci, les auteurs sont des femmes. Quels commentaires cela vous suscite? Aucun commentaire, Monique, aucun. C'est une femme qui a tué deux hommes, justement. C'est tout comme il arrive que des hommes tuent des femmes. Je dis, vous n'avez qu'à regarder toutes ces émissions consacré au crime dans la télévision pour voir que c'est récurrent. Mais surtout dans un pays comme les États-Unis, où les armes à feu se vendent comme des chocolats. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de permis de port d'armes. C'est tout le monde qui est armé. D'ailleurs, vous avez vu la loi sur les armes qui est en train d'être discutée dans les plus hautes institutions de la République aujourd'hui, où les Américains ne veulent pas lâcher, où l'industrie des armes est tellement forte qu'il faut... Tout est fait pour que les gens puissent toujours avoir des armes sans aucune restriction. Et ça explique la grande criminalité qu'on observe là-bas? Oui, ça explique la grande criminalité. Parce que, attendez, quand vous avez... il y a des personnes qui ont 2-3 armes à la maison. Il y a des personnes qui ont un pistolet, qui ont un fusil mitrailleur. Il y en a même qui ont des bazookas avec des chargeurs. Donc, les armes sont un phénomène absolument ordinaire, absolument banal aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, à la moindre contrariété, au moindre désappointement... Dégainent et font feu. Mm-hmm. Bon, il y a parfois où ce ne sont que des blessures, mais il y a des moments où, bien calculé, comme c'est le cas de cette dame, il faudrait qu'on suive un peu le déroulement de cette affaire pour comprendre comment il en est arrivé à tirer sur deux personnes, à tirer sur trois personnes, en tuer deux, et pendant que l'autre est en soins intensifs. Est-ce qu'elle a mesuré les conséquences de cet acte? On n'entre jamais. Il est difficile d'entrer dans la tête d'une personne qui a posé un acte extrême. Parce que ça, ici, il s'agit d'un acte extrême. C'est-à-dire que prendre une arme, ouvrir le feu sur les personnes, les abattre, et parce qu'il y a eu une préméditation, certainement. Ça n'a pas été une provocation. Ça n'a pas été quelque chose de spontané. Ça a été quelque chose de prémédité, de calculé. Elle a bien calculé son coup. Elle s'est dit que je vais les buter. Elle l'a fait. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir porter un jugement de valeur sur un fait divers, certes sanglant, qui vient d'arriver, mais des faits divers comme cela, on en compte des centaines chaque jour. A priori, on aurait pu dire ingénieur, tête bien faite, jeune, avec un avenir florissant. Pourquoi en arriver à ça? Certains auraient dit, au quartier, des gens qui n'ont pas son background intellectuel, on aurait compris qu'ils prennent une décision aussi radicale sans mesurer l'impact, mais qu'une dame qu'on présente également comme chef d'entreprise, par ailleurs ingénieur des télécoms. Mais diplômé ou pas, un homme est un homme. Un homme a des pulsions, parfois incontrôlables. Un homme a des passions qui n'arrivent pas à réprimer. Un homme peut avoir des réactions qui peuvent devenir des réactions animales, tout simplement, sous le coup de la colère, sous le coup de la haine, sous le coup du dépit. Bref, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école ou parce qu'on est bardé de diplôme qu'on peut ne pas être un criminel. Non. Moi, je pense que, surtout dans une société aussi déréglée que les États-Unis, et même dans toutes nos sociétés humaines aujourd'hui, où le crime ou les réactions extrêmes sont absolument ordinaires, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'essayer de retenir ses émotions et d'être calme. Et que ce soit le cas des États-Unis ou le cas de Yaoundé, c'est clair que c'est deux vies gâchées. Alors, nous allons évoluer dans cette émission en restant dans le chapitre des faits de société. Deux gangs de présumés bandits débusqués en Consamba cette semaine et en autre à Bafoussam. Reportage. La traque de ces présumés hors la loi a duré une semaine environ. Ils sont 13 présumés bandits
dont l'âge varie entre 22 et 43 ans, cueillis par la compagnie de gendarmerie du Mongo Nord. Ces hommes sont accusés de vol à main armée, d'agression, d'escroquerie et de port d'armes illégales. Le commandant de compagnie de gendarmerie de Bandi, qui nous a appuyés pendant l'opération et a permis de mettre la main sur l'un des suspects, l'un des principaux suspects qui était caché du côté de Bandi. Nous l'avons ramené en Consamba, exploitation faite, et nous a mis sur la trace des autres qui étaient cachés à Mbanga et dans la ville de Souza. Il a également reproché le vol des armes de deux hommes en tenue, vol de munitions et de téléphones portables. Ces présumés délinquants se sont fait prendre au moment où ils se rendaient dans la ville de Kapa pour récupérer un butin de 8 millions de francs CFA. Nous déférons d'abord ce 13 malfrats auprès du commissaire du gouvernement, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, à qui nous rendons compte de tous les faits que nous faisons. Et l'opération va se poursuivre avec l'intention d'interpeller les deux autres qui sont encore en cavale. Et ils feront simplement l'objet d'un ordre de suivi. Les renseignements menés par le collégion du littoral ont permis ainsi d'assainir les localités de Bandjoun, Mbanga, Souza, Kapa et Douala de ces présumés voleurs qui sont ici présentés aux médias en présence du préfet du Mongo. C'est l'occasion pour nous d'adresser nos félicitations au groupement de gendarmerie territoriale du Mongo et à la compagnie Mongo Nord pour cette autre action d'éclat. Certains membres de ce gang courent encore et la gendarmerie nationale ne compte pas baisser les bras. L'âme du nommé Fondop Francis, 48 ans chauffeur de gros porteurs en service dans une société de transport interurbain à Bafoussam, peut désormais reposer en paix. Sa famille, jadis éplorée, pousse enfin un ouf de soulagement et pour cause, les éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire de l'Ouest viennent de mettre la main sur le gant de quatre présumés suspects qui avaient ôté la vie à ce père de famille au quartier Toquette par Bafoussam alors qu'il regagnait son domicile. Dans la nuit du 3 au 4 août 2022, regagnait son domicile. Il a été accosté par ses malfrats qui lui ont administré plusieurs coups de poignard et de machette avant de le déposséder de ses biens. Ce dernier rendra l'âme quelques minutes après leur départ. Le chef de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest a donné des instructions fermes à la brigade anticriminalité, nous demandant d'interpeller ces suspects, de les mettre hors d'état de nuire dans de très brefs délais. Après exploitation à leur actif, plusieurs cas de braquage et d'agression dans la ville de Bafoussam. Ils se mettent dans des coins sombres et lorsque d'honnêtes citoyens regagnent leur domicile à des heures indues, ils interviennent et n'hésitent pas à ôter la vie ou à blesser ou à découper d'une violence indescriptible et barbare les victimes qui pourraient opposer une quelconque résistance. Il s'agit des présumés suspects dont la moyenne d'âge est de 21 ans. Ma joie est très grande à savoir, n'est-ce pas, qu'ils sont déjà entre les mains de la justice. Et je remercie grandement, n'est-ce pas, la police, n'est-ce pas, d'avoir mis les mains. Parce qu'on ne s'attendait pas, n'est-ce pas, à ce qu'on porte la main sur ces gars. Je suis très contente à savoir qu'il est entre les mains de la police et vraiment merci à la police parce qu'ils ont pu faire leur travail. La division régionale de la police judiciaire de l'Ouest a décidé de tordre le cou à la grande criminalité qui sévit dans cette partie du territoire. Cinquante ans après Camille Nélé, on a envie de se demander que sont devenus les ordonnances de 1972, portant répression du grand banditisme. On se souvient justement qu'à l'époque, les exécutions publiques des voleurs de coffres forts avaient contribué à atténuer des vols à main armée et bien d'autres choses. Oui, je m'en souviens bien, je m'en souviens très très bien. Et j'ai même assisté à deux exécutions. Au terrain de l'Orix, un terrain qu'on appelait le terrain de l'Orix, qui se trouve sous la sonnelle, c'est-à-dire qu'en contrebas de la sonnelle à Bounanjo et où passe aujourd'hui le boulevard de l'Udéac, je crois. Et ces ordonnances de 72 avaient un but dissuasif, c'est-à-dire que pour tout cas de crime ou de vol aggravé, c'était la peine de mort. On en a exécuté quelques-uns. Mais il faut dire aussi que... C'était la loi Chidiachou à l'époque ministre de la Justice. Mais c'était beaucoup plus une décision du président de la République
qui avait décidé de prendre, parce qu'à cette époque-là, il y avait des agressions et des assassinats, des cambriolages de maisons, mais alors pratiqués avec une violence extraordinaire, par des gangs organisés. Mmh. Et c'est pour cela que ça a été une façon de briser cette sorte de vague criminelle. Et des exécutions, il faut le dire, ont porté. Parce que je me souviens, l'un des plus grands braqueurs de cette époque, qu'on appelait Siwak, avait été exécuté avec trois de ses comparses, justement, sur ce terrain-là. Bon, ça a été, ça a porté, puisque tout de même, beaucoup de gangs ont été démantelés, beaucoup d'individus ont été démantelés et ont été condamnés à mort, parce que la peine extrême, c'était la peine capitale. Mais il faut aussi reconnaître que la peine capitale elle-même n'a pas été beaucoup, même si elle existe encore dans l'arsenal répressif au Cameroun aujourd'hui, elle n'est pas pratiquée. Je me souviens que la dernière exécution capitale a été faite le 28 août 1987 à Douala, ici, au Carrefour des Billes. Et je vous en avais parlé tout à l'heure, c'était les deux assassins de la famille Mpuno qui avaient tué un homme, sa femme et son enfant. Ça, c'était la dernière en date. Mais il y a entre-temps beaucoup de gens qui ont été condamnés à mort. On parlera par exemple de Mme Dikoum, qui avait fait assassiner son mari par six malfaiteurs qui sont venus, qui l'ont assassiné sur son lit, qui l'ont enroulé dans son drap, qui l'ont jeté dans le coffre de sa voiture, qui sont partis retrouver l'amant de cette dame-là, et maintenant qui ont lesté le corps avec des cailloux et l'ont jeté dans la Sanaga. On les a retrouvés tout de même quelques temps plus tard. Ces personnes ont été condamnées à mort. Et bon, ils ont été condamnés à mort puisque la peine capitale n'est plus exécutée. Ces personnes ont passé 25 ou 26 ans en prison et sont libres aujourd'hui. Il est vrai qu'il y en a d'autres qui ont eu le temps de mourir entre-temps. Mais la peine capitale, on dit que la peine des ordonnances 112 ont été combattues justement par... Défenseurs des droits de l'homme. Voilà. Mais les droits de l'homme, mais ces défenseurs des droits de l'homme oublient qu'aux États-Unis, le pays où on parle de plus de liberté et de respect des droits de l'homme, il y a des États qui exécutent carrément des gens, soit sur la chaise électrique, soit par injection létale, soit par pendaison. Et aux États-Unis, il y a certains États. Il y a d'autres États qui sont abolitionnistes, mais il y a d'autres où, aujourd'hui encore, il y a des criminels qui sont dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, c'est-à-dire que ces personnes attendent d'être exécutées. Donc, au Cameroun, la peine de mort existe dans l'arsenal répressif, mais elle n'est pas appliquée tous les jours. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des gens, comme par exemple ces bandits que l'on vient d'arrêter du côté de Bafoussam, que ces personnes qui font carrément du brigandage, c'est des brigands qui sont là, qui ont des machettes, qui ont des couteaux, qui se cachent dans les buissons, qui attendent que les gens passent pour les dépouiller la nuit. Et c'est pas seulement à Bafoussam, même à Douala, il y a des bandes comme celle-là, organisées, et les membres de ces gangs, généralement, sont de très jeunes hommes, de 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Et il y a des moments où on pourrait une personne pour lui arracher 6 000 ou 7 000 francs. Kaminele, est-ce que le fait que les condamnés à perpétuité au Cameroun peuplent les prisons ne soit pas l'un des facteurs qui attise le phénomène de grand banditisme au Cameroun? On peut se dire, je peux voler 1 milliard, je peux voler 100 milliards. Au bout de 30 ans, je pourrais être libre. Non, je ne pense pas, Monique. Vous savez, il faut d'abord connaître la prison. C'est pour ça que moi, je demande parfois aux journalistes d'aller dans une prison, de vivre dans une prison pendant un jour, deux jours, et de voir les conditions. Il est vrai que les conditions carcérales au Cameroun sont extrêmement dures, parce que nos prisons ne sont pas, sont loin d'être des hôtels de luxe. Mais je pense que... moi, je connais un criminel qui a été condamné à la peine de mort pour vol aggravé et même pour présomption de meurtre. Sa peine a été commuée en 25 ans d'emprisonnement ferme. Il a passé 25 ans, il est ressorti et c'est l'homme le plus doux de la terre. Je dis l'homme le plus doux de la terre. C'est-à-dire quand il parle... La prison l'a aidé à mieux s'intégrer. Voilà. Mais il y en a d'autres qui, même après ces 25 ans, ont toujours le virus de la haine ou bien le virus du crime dans le sang. On ne peut pas dire qu'il y ait un système qui puisse absolument changer quelqu'un, l'empêcher de commettre des crimes ou de commettre des actes criminels parce qu'il a passé du temps en prison. Grâce à cette loi Chidiachou, les violeurs de mineurs écopaient par exemple
20 ans d'emprisonnement ferme. Absolument. Et jusque-là, il y a des gens qui... Il y a des défenseurs des droits de l'homme qui estimaient que non, c'était trop. Donc, mais par contre, cette loi avait été prise dans le but de dissuader les gens. Elles étaient beaucoup plus dissuasives. Hein? Et effectivement, elles ont dissuadé énormément de gens. Mais, vous savez, le système judiciaire camerounais, il est comme il est aujourd'hui. Quand on parle de ces gens qui détournent de l'argent, qui détournent des milliards et qui sont même capables de rembourser des milliards, il y a des gens qui se disaient que ces personnes devraient même être pendues sur une place publique. Camille Nélé, pour sortir, pensez-vous que la justice camerounaise soit suffisamment outillée, celle d'aujourd'hui, pour décourager la pratique de ce type de forfait ? Le crime ? Le crime. Oui, mais la justice, d'abord, il faut d'abord commencer par la police, c'est-à-dire les instances judiciaires qui font des enquêtes préliminaires, la police, la gendarmerie. Je pense que aujourd'hui, la qualité des officiers supérieurs de la police et de la gendarmerie est équivalente à celle des plus grandes nations. Parce que les commissaires de police, c'est des gens qui ont au minimum une licence et parfois un doctorat. Ce sont des gens qui suivent des formations continues et qui sont branchés dans toutes les nouvelles méthodes de pointe pour traquer le crime aujourd'hui jusqu'au crime cybernétique. Mais vous savez, vous avez beau avoir les meilleurs policiers du monde, vous pouvez les envoyer en prison, vous pouvez arrêter des malfaiteurs, les envoyer en prison, mais quand ces malfaiteurs sont en prison pour les condamner, vous pouvez tomber sur des magistrats, eux, qui ne font pas absolument bien leur travail. Vous avez parlé de la cybercriminalité. On a parlé depuis de bout en bout de ce qui s'est passé à Yaoundé. Une dame qui aurait rencontré un demandeur de corps humain, sans parler justement du phénomène de la cybercriminalité au Cameroun. Elle prend du galon, n'est-ce pas ? Bien évidemment, c'est la société. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas de copier ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on fait au Cameroun, c'est la même chose qu'on peut faire en France, aux États-Unis, en Allemagne. On n'arrête pas. Et les malfaiteurs cherchent toujours le moyen, soit d'assouvir leur passion, soit de détrousser les autres. Et c'est pour ça que moi je dis qu'on ne peut pas dire que l'évolution criminelle au Cameroun est tout simplement terrifiante. Non. Je pense que c'est notre époque, c'est une époque de violence. Et cette violence elle-même, elle est entretenue par les télévisions. Parce que si vous n'avez qu'à regarder, il y a énormément de films violents dans nos télévisions. Maintenant, n'importe quel enfant, n'importe quel jeune peut avoir un portable. Un Android. Mm-hmm. Mais alors, dans cet Android, il se connecte à toutes sortes de films. Et en se connectant à toutes sortes de films, il y en a même qui trouvent le moyen d'entrer dans toutes sortes de sites, des sites pornographiques, les sites criminels, les sites religieux, parce qu'on est en train de parler de toutes ces choses-là. Il y a aussi la religion elle-même, surtout ce prosélytisme absolument béat qui est en train d'empoisonner l'Afrique aujourd'hui, parce qu'on dira tout ce qu'on voudra, les religions, surtout les églises de réveil, sont en train de jouer un rôle extrêmement nocif dans nos sociétés africaines aujourd'hui, qui commencent de plus en plus de manquer de repères. Camille Nélé, vous avez parlé des élèves, mais de plus en plus, les établissements scolaires sont le théâtre des faits divers sanglants, où les élèves assassinent les élèves et assassinent aussi les enseignants. Quelle est la responsabilité de la famille dans ce cas et du milieu éducatif dans cette dérive sociétale ? On en a tellement parlé l'année dernière, et du moins ces deux dernières années, on a vu des lycées, des collèges, où des élèves entraient au lycée avec des tournevis, avec des poignards, et étaient pris en découdre avec leurs camarades. Et on a même vu, on a connu le cas dans un lycée, à Douala ici, où l'élève est venu pratiquement avec un long poignard de pratiquement 80 cm qu'il a planté dans le cœur de son camarade. Or, la responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité d'école. Ouais. Je pense que la responsabilité commence par la maison, par les parents. Il appartient aux parents de donner une bonne éducation à leurs enfants, de leur inculquer dans la tête que la violence ne paye pas, que ça ne sert à rien d'être violent, et que si on est violent, on va se faire du mal, on va faire du mal à la société. Ça commence d'abord par la maison. Et aussi, dans les établissements, il faut que dans les établissements, que les enseignants prennent la peine de fouiller davantage les sacs des élèves pour y débusquer et les téléphones portables, et les poignards, et les tournevis,
Et comme ça, un élève qui est pris avec un engin contondant comme celui-là, il est immédiatement exclu. Et il faut que les parents le sachent pour dire à cet enfant que toi, tu vas à l'école, on paye les études pour toi, mais si tu vas là-bas pour jouer au bandit, au caïd, non, tu n'iras pas à l'école. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée, mais elle est beaucoup plus, elle revient beaucoup plus à la famille où un enfant doit apprendre la politesse et les bonnes manières. Cette semaine, on a également parlé de la sortie des 182 acquéreurs des logements sociaux de Japoma. 12 ans plus tard, rien du tout. Reportage. J'ai payé 23,5 millions que j'ai payé à la SACC. Et aujourd'hui, je n'ai ni terrain, donc on peut dire je n'ai aucun site foncier, je n'ai ni maison, je n'ai ni mon argent. Nous sommes dans l'impasse. Depuis 12 ans, nous avons versé pour ce projet 27 millions de francs CFA. Et 12 ans après, nous sommes au même point. Pas de maison et rien du tout. Thierry Bessala et Rosite font partie des 182 acquéreurs des logements sociaux du projet Garden Community de la société SASCC. Des constructions prévues en Bangabakoko par Japoma à Douala. Selon les standings, il fallait débourser entre 26 et 47 millions de francs CFA. Nous retrouvons Brigitte Sopongale, directrice de cette société immobilière qui donne sa version des faits lors d'un point de presse à Douala. Dans d'autres cieux où on fait la promotion immobilière, normalement, c'est le gouvernement qui met les routes, les caniveaux, les grains et remet ces terrains ou les revend ou les remet au promoteur immobilier. Le promoteur immobilier, son travail, c'est juste donc en ce temps-là de placer les maisons. Dans notre cas, nous n'avons pas eu ça. Ça veut dire que les 29 101 mètres carrés, les milliards qui ont été dépensés pour faire ce travail-là, normalement n'auraient pas dû sortir de nos poches. Nous avons entrepris des démarches il y a quelques années auprès du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il y a une conciliation qui a été engagée en 2017-2018. L'aboutissement de cette conciliation, c'était que le ministre était favorable à ce que la société en question, ayant fait un certain nombre de travaux sur le site considéré, puisse nous céder les parcelles que nous avions acquises et que les crédits que nous avons contractés, ceux qui sont passés par le crédit foncier, soient annulés et que la société en question puisse procéder à une forme de remboursement pour les personnes qui ont déboursé plus. L'accord prévoyait la livraison des maisons clés en main dans un délai de 12 mois. 12 ans après, les souscripteurs demandent un début de réparation. Nous demandons juste avoir pour compensation pour un départ au moins sur les terrains. En 12 ans, beaucoup de choses se sont passées. Certains d'entre nous sont morts, certains ont perdu leurs emplois, certains ne peuvent plus payer les prêts qu'ils avaient contractés. Seulement, la promotrice de la Southwest International Construction Corporation soutient qu'au regard des milliards déjà investis pour viabiliser le terrain, demande aux clients un effort financier supplémentaire selon le principe de la compensation par dation. Les clients qui veulent la dation, ça ne sert à rien de faire du bruit autour de ça. S'ils veulent que la dation aille vite, qu'on s'asseye vite sur la table, on finit quand on procède avec la dation et avec l'encadrement du gouvernement. Je pense que le problème du crédit foncier aussi, si tu n'as plus de problème, vous signez un PV que l'affaire est finie entre nous. Le collectif des 182 acquéreurs vient de tenir sa énième réunion de crise à Yaoundé, cœur des institutions. Pour eux, la présentation du crédit foncier et le Mindu dans le dossier comme partenaire de la SICC était l'élément qui rendait le projet crédible à leurs yeux. Aux dernières nouvelles, les propositions de sortie de crise ont été déposées sur la table du ministre du Développement urbain et de l'Habitat par la SICC, car le conflit est désormais anglé sur le prix de la revente du mètre carré aux acquéreurs d'hier. Nous allons parler de football avec la sentence du tribunal arbitral de sport qui a rendu son verdict après 13 ans de marathon judiciaire. Un verdict rendu en faveur
de l'équipe dirigeante de la FECA Foot actuelle. 13 ans qu'aura duré le feuilleton Assemblée Générale 2009 de la Fédération Camerounaise de Football, tribunal arbitral du sport. La sentence rendue mardi dernier par le TAS dans les deux affaires qui opposaient l'instance fêtière du football camerounais à son ancienne AG de 2009 va au-delà de la simple victoire de l'exécutif de Samuel Eto'o. Le juriste maître Alain Guigny nous fait l'économie des implications de celle-ci. Le TAS a constaté que les parties se sont entendues et a donc ratifié la convention signée entre la FECA Foot et les membres du comité de l'Assemblée Générale de 2009. Ce qui veut dire que, à partir du moment où on fait un petit calcul arithmétique, où c'est les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale qui ont signé la convention avec la FECA Foot, à partir donc de ce moment, conformément au texte, il était normal que le TAS considère que l'Assemblée Générale avait transigé. Dans un communiqué, la FECA Foot s'est réjouie de l'ouverture d'une nouvelle ère dans le football camerounais, celle loin des prétoires. Mais la réaction d'Abdourahmane Amadou dans la foulée, le porte-parole des contestataires, a vite fait de toucher l'enthousiasme des uns et des autres. Quant à savoir s'il y a une possibilité de recours, oui, je dis bien qu'il y a une possibilité de recours auprès du tribunal fédéral suisse, qui est une sorte de cour d'appel pour les décisions du TAS. Si le tribunal fédéral suisse peut encore faire renaître cette affaire, au niveau du TAS, l'on ne veut plus en entendre parler. Explication. Quand on lit la sentence, il est bien dit que cette affaire est radiée du rôle du TAS. C'est-à-dire que le TAS n'aura plus à connaître de ce procès ou un procès ayant le même objet. Si une probable bataille est en gestation, Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football peuvent au moins se féliciter d'avoir réussi à chasser du vocabulaire des amoureux du football camerounais le jargon TAS, eux qui en ont été bercés matin, midi, soir depuis 2009, au détriment des prouesses des footballeurs dans les stades. C'est déjà ça de gagner. Camille Nélé, peut-on espérer que Eto'o fils puisse enfin gérer le football camerounais sans tendre une oreille attentive vers le tribunal fédéral suisse qui va rester en dernier recours? Monique, le football n'est pas ma tasse de thé, surtout avec toutes les polémiques qu'il y a dans la Fédération camerounaise de football depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'est des polémiques interminables, des casquettes qui s'envolent, des revendications qui se multiplient, surtout des procédures judiciaires qui n'en finissent pas. Moi, je pense qu'avec celle-ci qui vient d'être prononcée par le TAS, à en croire toutes les réactions qui fusent dans les réseaux sociaux, on se dit que, bon, on commence à voir le bout du tunnel, même si... il y a certaines voix qui estiment que le match n'est pas encore fini, des voies de recours ne sont pas terminées, il est question d'aller à Lausanne et tout cela. Mais je crois que le football camerounais n'a pas besoin de toute cette multitude de procédures judiciaires pour pouvoir avancer et retrouver son lustre d'antan. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. Je ne vois pas pourquoi les gens ne peuvent pas s'asseoir tranquillement et se dire que bon, il est peut-être temps de tirer un trait sur tout ce qui s'est passé et d'abandonner ce juridisme outrancier qui fait que plutôt que de construire le football au Cameroun dans les stades et dans les régions, on se retrouve plutôt à courir les courses des tribunaux du monde entier pour aller chercher à avoir raison. Moi, je pense que Samuel Eto'o est arrivé. Il a trouvé une situation qui était extrêmement tendue. En l'espace de quelques temps, la situation a baissé de plusieurs crans. Le football camerounais est en train de retrouver une certaine sérénité. Et moi, je pense qu'il faudrait que certains esprits qui ne sont rivés que sur le terrain de la confrontation, que ces esprits-là comprennent qu'il y a peut-être mieux à faire et que le football camerounais gagnerait à se tourner uniquement vers son développement. Et moi, je pense que Samuel Eto'o, que certains l'aiment ou que certains ne l'aiment pas du tout, moi, je pense qu'il faudrait lui donner
au moins la possibilité d'essayer de faire plus pour ce football camerounais. Et ce football camerounais que lui-même a contribué à rester très très haut dans la sphère intercontinentale et mondiale. Moi, je pense que, sincèrement, toutes ces chicanes devant les tribunaux, toutes ces vociférations dans les réseaux sociaux ne sont pas pour redorer le blason du football camerounais. Nous quittons le territoire national pour nous rendre chez nos voisins, le Tchad, où se tient depuis quelques jours le grand dialogue national, comme on l'a vu au Cameroun il y a quelques années aussi, mais sauf qu'il y a des chefs politico-militaires qui ont brillé par leur absence à ce rendez-vous. J'aimerais le dire d'antan, vous êtes spécialiste du Tchad depuis 2006, Camille Nélé. Alors, peut-on entrevoir une transition qui signifierait peut-être la fin du régime Déby qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. Monique, Idriss Déby a été assassiné, est mort le 21 avril 2021, après avoir gagné une élection. Il venait de gagner l'élection et il s'est rendu sur le front où il y avait des rebelles d'une faction politico-militaire qu'on appelle le FACT, qui était en train de menacer d'arriver jusqu'à N'Djamena. Et le 21 avril au matin, le peuple tchadien s'est réveillé le matin avec la nouvelle de la mort d'Idriss Déby. Idriss Déby qui était là depuis 30 ans, parce que c'est en 1990 qu'il est arrivé, depuis 31 ans. Il est arrivé et il a mis fin au règne très très controversé de Sénabré. Et il a trouvé un pays complètement laminé par les guerres civiles depuis 1960, parce que tous les régimes qui sont succédés après la mort, l'assassinat du président Tombal Bay ont été des régimes, ça a été des tiraillements entre les militaires, les politico-militaires et jusqu'à Sénabré. Donc, Idriss Déby est arrivé, il a assassiné Sénabré, et il tombe au moment où c'était effectivement la période des conférences nationales. Il a organisé une conférence nationale qui a rassemblé un certain nombre de Tchadiens. Et le pays est reparti. Il est reparti, mais ça n'a pas empêché que, justement, ceux qui étaient même avec lui, qui sont entrés avec le N'Djamena, que certains le retournent dans le maquis. Donc, il s'est retrouvé avec des militaires qui arrivaient, qui ralliaient de son régime, qui, après quelques temps, repartaient pour revenir encore attaquer N'Djamena. Mm-hmm. Et moi, je peux vous dire, par exemple, le 13 avril 2006, j'étais à N'Djamena, quand les factions politico-militaires qu'on appelait le FUC, le Front Uni pour le Changement, est arrivé jusqu'à N'Djamena. Et je vous assure que c'est ce jour-là que j'ai entendu vraiment des crépitements et des bombes et des missiles qu'on envoyait à gauche et à droite. Mais ce jour-là, Idriss Déby, soutenu par la force Barkhane, qui est basée à l'aéroport, a pu repousser les rebelles. Et cette victoire de Idriss Déby contre ces rebelles qui est arrivé, et à la tête de ces rebelles, il y avait justement un rebelle qu'on appelle Mamadou Abdelkrim. Mamadou Abdelkrim qui, 2 ans plus tard, est arrivé, s'est réconcilié avec Idriss Déby, est revenu à N'Djamena, a été nommé ministre de la Défense, mais il a fait 2 ans, il est encore reparti. Alors, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, avant la mort d'Idriss Déby, il était revenu de nouveau, et il faisait partie de l'entourage immédiat d'Idriss Déby. Donc, aujourd'hui, après la mort d'Idriss Déby, les généraux qui étaient composés de l'ossature du gouvernement de Déby se sont réunis et ont décidé de mettre en place un comité militaire de transition à la tête duquel trône le fils d'Idriss Déby. Est-ce qu'il y a des chances pour que le pouvoir retourne entre les mains des civils? Mais de toutes les manières, si l'on s'en tient aux suggestions et à la volonté de partis politiques et de la société civile, ils ne veulent plus entendre parler des militaires au pouvoir. Mais il sera difficile de ne pas faire un gouvernement sans les militaires, parce que c'est les militaires qui sont au Tchad depuis 30 ans. Vous comprenez? Et imaginez tous ces généraux de division, tous ces généraux de corps d'armée qui sont là, et plus le général d'armée lui-même, Mamadou Idriss Déby. Si on fait des élections aujourd'hui et que un civil gagne l'élection, puisque déjà tous les participants, la majorité des participants
du grand dialogue, notamment les politico-militaires et les partis politiques, ne veulent pas de la candidature des militaires ou même de l'actuel Premier ministre, Paimi Padake, qui est Premier ministre pour la deuxième fois. Et qu'est-ce que vous escomptez justement de ce grand dialogue national au Tchad ? Ben, d'abord la paix. C'est tout le monde qui parle de paix. Et c'est important. Il est important que tout le monde parle de paix. Et surtout qu'on passe à un nouveau régime où les choses devraient avancer dans une décrispation totale. Mais surtout, ce que ne veulent pas et les partis politiques de la société civile et les politico-militaires, c'est qu'ils ne veulent plus la continuation du système Déby. Camille Nélé, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle, vous êtes journaliste spécialisé des enquêtes criminelles, dossiers judiciaires au Cameroun. On vous appelle le doyen. Merci d'être venu. Merci Monique, merci beaucoup pour cette invitation. D'ailleurs, sur ce prestigieux plateau, mais je voudrais quand même rendre justice à Jacques Daubel, qui est un doyen, mais il est mon doyen, parce que moi, j'ai trouvé Jacques Daubel à la Gazette. Il était déjà à la presse du Cameroun, parce que diplômé de l'ECJ, il a immédiatement été intégré à Cameroun Tribune, et c'est pour cela que lui, il demeure le plus ancien encore en activité aujourd'hui. Bon, il est bien entendu suivi par moi, et Edouard King qui a suivi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de doyens dans la presse, mais le grand de super doyen, c'est le maître Aboudel Karimou, qui est encore vivant, mais qui ne pratique plus, mais à qui beaucoup de jeunes journalistes vont souvent se ressourcer. Vous avez parlé de Jacques Daubel, vers qui se refaire la jeune génération. Merci beaucoup. Dimanche prochain, ce sera notre rendez-vous de la rétrospective de l'information. Mais n'oubliez pas, la rediffusion, c'est lundi à 9h. Je serai des vôtres dans une semaine. Mais avant, nous retrouvons-nous dans un autre couloir, le journal bilingue, 13h, sur Canal International, en coprésentation avec Harry Kedjan Atembe. Prenez soin de vous, restez en compagnie des programmes de Canal International. Au revoir et à bientôt.